il aime la vitesse et il a de l'adresse. Il va vraiment si vite que tout le monde s'agite. Mais il réussit, oui c'est bien lui, le seul qui n'a pas ralenti. Ses amis vont crier quand il va franchir la rive. Cocoraguet va gagner le championnat. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser surtout. Regarde-le, il attend que je dise une connerie là. Ouais. Regarde la réserve de piqûres. Oh là là. Bon, je dirais rien. Ma fille, quand il fait ça eh. Ah si, señor. La nuita está muy bonita. Impeccable. We'll be right back.
était très bien, que l'ambiance entre les pilotes était top, et ça fait vraiment plaisir pour une reprise, et c'est ce que je recherchais. Donc avec mes 30 ans, tu vois, je recherchais ça, du plaisir, de la compétition, et puis une bonne ambiance, quoi. Donc ça m'a fait plaisir de partager des bons moments avec tous les pilotes, et voilà, le but du loisir. C'est mon gosse, ce mec. Et voilà l'handicapé. Voilà. Alors, ça fait quoi de finir deuxième du championnat? Ah, ça fait plaisir, là, t'as sourire, là. Là, il a le sourire. Pas facile. Bon, on boit une bière ou quoi? Bah oui, on t'attend. Putain, bah fini là, celle-ci. Bah allez, on est. À la santé du champion. Voilà, allez. À la bonne ambiance. Allez, Coco. Allez, un chouï, là. Ah, maintenant j'ai le droit. À la tienne, vous voulez, même si. Quoi? Pour aller vite, faut manger du melon. Après, ça fait aux toilettes. Et après, quand tu vas aux toilettes, t'es léger. Quand t'es léger, hop là. Il est là. C'est toi qui fais ça tout le temps. Et là, il y a Coco en quête. C'est midi. Non, du tout. J'ai un cas, j'étais mort derrière. Ça fait donc. Toi, tu passes à côté de lui. Allez, Coco. Allez, Coco. Alors, le championnat loisir, troisième de la journée et quatrième du championnat, Ken Loiseau. Ouais. Allez, on continue. Deuxième de la journée, Emar. Ici à ce Gonza qui est deuxième de jour et champion rouge, j'en ai fallu peu. Billy Maurice. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Journée. Alors, nous avons vu deux épreuves. C'est bien dommage, parce qu'une fois que la machine a été en route, mais il a presque tout gagné. Une deuxième place, et ça doit faire 7 victoires, si mes comptes sont bons. Maxime Viziac. Ils t'ont oublié? La blague. C'est plus facile. Le top. C'est la vomifrone. C'est impensable. Impeccable. Bah, Jérémy, tu sors devant. C'est pas habituel. D'accord. C'est nouveau, ça. Il nous fait des bons départs. Enfin,